Coucou maman, je suis venue récupérer l'argent pour le transport. Oh. Tu sais ma fille, depuis ce matin je n'ai encore rien vendu. Malheureusement, je ne pourrai rien te donner, pour que tu puisses prendre le transport, et aller te rendre, en cours. Qu'est-ce que tu me racontes maman? Comment veux-tu que je fasse maintenant? Sincèrement je ne sais pas quoi te dire. Car je ne sais même pas ce qu'on va manger ce soir. Tu sais quoi, je commence vraiment à en avoir marre, de cette situation dans laquelle, on se trouve. Comment ferais-je maintenant pour me rendre en cours ce matin? À cause de toi, je serai encore en retard. Parfois je me demande même, si tu étais ma vraie mère. Mais comment peux-tu me parler de la sorte? Ne vois-tu pas que je travaille assez dur pour pouvoir subvenir à tes besoins au quotidien? Non, je ne vois rien du tout. Tu aurais dû faire en sorte que je ne vienne pas dans ce monde. Car tu me dégoûtes sérieusement. Allez, ciao, à ce soir. Ma fille n'est pas du tout reconnaissante envers moi. Avec tout ce que je lui fais au quotidien, voilà comment elle me traite aujourd'hui. Je ferai tout pour la rendre quand même heureuse, car je sais qu'elle doit beaucoup souffrir de l'absence de son père, qui n'est plus dans ce monde. À cause d'elle maintenant, je serai obligée de faire du stop, afin de pouvoir me rendre en cours. Elle commence vraiment à me casser les bonbons. Bon, j'espère bien qu'elle s'arrangera ce soir, pour me faire quelque chose à manger. Oh, Seigneur! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? S'il te plaît, aide-moi aujourd'hui à trouver des clients. Aujourd'hui, j'ai bien envie d'aller acheter mon sac de riz chez la dame qui avait ouvert son magasin récemment. J'espère bien qu'elle sera super contente de me voir. Allez, c'est parti. Coucou bonne dame, j'espère que vous allez bien. Comme je vous le disais, je venais chercher mes deux sacs de riz chez vous ce matin. Oh, merci beaucoup monsieur pour votre amabilité. De rien madame, pas de quoi. Les prix ont-ils changé entre-temps par hasard? Non, pas du tout monsieur. Parfait. Envoyez-moi les sacs, afin que je puisse vous payer. Ok, ça marche. J'arrive tout de suite monsieur. Ok, je vous attends. Comme je te le disais, voilà un peu ce qui se passait avec ma maman. Elle n'est même pas capable de prendre soin de moi, comme il le faut. Alors que je suis sa l'unique fille. Sincèrement, je trouve que tu en fais de trop, Rose. Ne vois-tu pas qu'elle se trémousse au quotidien, juste pour te rendre heureuse? Non, je ne vois rien du tout, c'est une incapable, ma mère. Elle ne peut même pas assurer correctement son devoir de mère envers moi. Mais, tu t'entends parler Rose? C'est comme ça que tu remercies une mère qui t'a porté 9 mois dans son ventre? Ce n'est pas parce que c'est chaud, sur elle, aujourd'hui, que tu dois la traiter comme cela. Tu sais, une mère, on n'en a qu'une. Et ton rôle c'est de la booster par tes propos. C'est de la rendre fière au quotidien. Tu sais quoi copine? Ma mère ne mérite pas du tout que je la traite comme une reine. D'ailleurs, j'ai assez parlé d'elle maintenant. J'espère bien qu'un jour, que tu ne regretteras pas de ne pas avoir profité un peu avec elle et de ne pas avoir tellement pris bien soin de ta mère. Oh non, je ne le pense pas du tout. Waouh, je suis complètement dépassée de ta réaction Rose. En tout cas, que le bon Dieu te le protège. Merci. Oh, je rends gloire à Dieu. Ce monsieur est venu m'acheter 2 sacs de riz, ce beau matin. Au moins, on mangera à notre faim ce soir. Merci Seigneur, de pouvoir à nos besoins au quotidien. Allez Rose. Le repas est prêt. Tu peux venir manger s'il te plaît? D'accord maman, oui j'arrive. Oh non, encore des pâtes ce soir? J'en ai vraiment marre de manger les mêmes choses, dans cette maison. Si tu ne peux pas me préparer autre chose à la place, je ne mangerai pas avec toi ce soir. Quoi?
Mais pour qui te prends-tu ? Tu m'as prise pour ta bonne, ou quoi ? Non, ce n'est pas sa maman. Mais j'en ai vraiment marre de manger les mêmes choses dans cette maison mal chauffée et mal aérée. Quoi ? Estime-toi heureuse, ma fille. Car il y a des gens dans la rue, qui dorment dans le froid glacial, et qui n'ont rien à manger. Oui, je sais, mais moi je veux plus manger la même chose dans cette maison. Je te promets que si cela continue comme ça, j'irai tranquillement vivre avec ma copine chez elle. Car je commence à être fatiguée de toi. Tu es tout le temps sur moi, et je me sens plus heureuse dans cette maison. Sincèrement, si papa était vivant, j'allais partir le rejoindre depuis fort longtemps. Car je ne te supporte plus du tout. Tu en fais de trop à chaque fois. Déjà, je ne mangerai même pas ce que tu as préparé ce soir. Bonne nuit à toi, et à demain. Ciao. Avec l'argent que je venais de trouver dans son portefeuille, j'irai tranquillement rejoindre ma copine chez elle. Car j'en ai marre de vivre dans cette maison de malheur. Mais elle est où l'argent, que je dois la donner pour qu'elle aille se rendre en cours avec ? J'espère bien que je ne l'avais pas perdue. Bon, moi je suis prête. Je m'en vais tranquillement en cours comme cela. J'ai comme l'impression que tu me fuis depuis ce matin. Mais non, maman. Pourquoi tu dis cela ? Tu sais, ma fille, n'avais-tu pas trouvé par hasard quelques pièces dans mon portefeuille ? Oh non, maman. Pourquoi me traites-tu de voleuse maintenant ? Mais je ne te traite pas de voleuse, ma fille. Je te pose juste une question. Je n'ai plus du tout le droit de te poser une question dans cette maison maintenant ? Si, mais j'ai comme l'impression que tu me prends maintenant pour une voleuse. Est-ce que je t'ai déjà volé quelque chose dans cette maison ? Non. Pas du tout, ma fille. Alors pourquoi me poses-tu des questions débiles comme cela ? J'en ai marre maintenant que tu me prennes pour une voleuse. Quoi ? C'est à moi que tu venais de donner cette gifle ? Je ne te permets pas de me donner des gifles comme cela. À partir d'aujourd'hui, je maudis le jour de ta naissance. Et tu ne seras plus ma fille. Tout ce que tu feras désormais échouera, et tu connaîtras la vraie misère, dans ce monde. Je te promets que ça sera qu'à ma mort, que tu reverras, encore mon visage. Sinon plus jamais de toute ma vie, je souhaiterais encore te voir avec mes yeux. Sors tout de suite d'ici, avant que je ne te dévore. Tu viens de tout gâter maintenant, c'est terminé entre nous. De toute façon, tu ne me servais à rien du tout. Au revoir, et ne cherche plus jamais à me revoir. Bye, bye. Waouh! Quelle audace! Elle a osé me porter la main, ma propre fille. Jamais je n'accepterai un truc pareil. À partir d'aujourd'hui, elle et moi c'est fini. Je ne veux plus jamais la revoir. Voilà un peu ce qui s'était passé entre ma mère et moi. Je pense sincèrement qu'on ne se verra plus jamais. Oh! Que le Seigneur vous assiste et pardonne vos cœurs. C'est vraiment déplorable d'en arriver jusqu'à là. Évidemment, copine, j'en suis vraiment conscient. Comme je vous le disais, il n'y a plus rien à faire pour vous. Car vous êtes en phase terminale de cancer. D'accord, docteur. C'est quand même dommage ce qui vous arrive, madame. Eh bien oui, mais je n'avais pas du tout supporté la séparation avec ma fille. C'est pour cela que je me suis mise à fumer et à boire beaucoup d'alcool. Ah, je vois, malheureusement il ne vous reste plus beaucoup de temps à vivre. Ce n'est pas grave, docteur. Vous savez, j'ai essayé de reprendre contact avec ma fille, mais elle a toujours refusé de parler avec moi. Si jamais elle venait ici après mon départ, dites-la juste
que je n'avais plus rien contre elle, et que je l'avais pardonnée pour tout le mal qu'elle m'avait fait par le passé. D'accord, madame. J'ai bien noté votre message. D'accord, docteur. Cela fait déjà un bon petit moment que je n'avais plus aucune des nouvelles de ma maman. J'ai tellement hâte de reparler avec elle. J'espère vraiment qu'elle me pardonnera pour tout ce que je lui avais fait de mal. Aujourd'hui, je comprends que je ne peux pas vivre seule, loin de ma mère, comme cela. Maman, tu peux m'ouvrir s'il te plaît? C'est moi. Coucou, comme je vous le disais, votre maman n'habite plus ici depuis très longtemps. Elle a sûrement déménagé. D'accord, merci beaucoup pour cette information. Je n'étais même pas au courant qu'elle avait déménagé entre-temps d'ici. Mais de rien. J'irai peut-être la voir, sur son lieu de travail. D'accord, ça marche, jeune demoiselle. Bon courage à vous, pour la suite, et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, madame, au revoir. Je n'étais même pas au courant qu'elle avait déménagé de là où on habitait. Tout cela est de ma faute parce que je n'avais pas voulu rentrer en contact avec elle. J'espère pouvoir la retrouver là où elle travaillait quand même. Comme je vous le disais, je souhaiterais voir la gérante de ce magasin. Ah! Jeune demoiselle, c'est moi qui suis la nouvelle gérante de ce magasin. Malheureusement, l'ancienne gérante n'est plus de ce monde. Quoi? Mais arrêtez de me raconter des conneries, madame. Ne savez-vous pas que vous êtes en train de parler de ma mère? Ah, je suis vraiment désolée. Je peux vous assurer que l'ancienne gérante n'est plus de ce monde. D'accord. Je m'en vais quand même me renseigner à l'hôpital du coin. D'accord, jeune demoiselle. Bon courage à vous pour la suite. Merci. Comme je vous le disais, la dame dont vous me parlez n'est plus de ce monde. Elle m'avait même chargé de vous dire qu'elle vous avait pardonné par rapport à tout ce que vous lui avez fait, de mal, par le passé. Oh ma maman, comment peux-tu partir de ce monde? Et me laisser orpheline comme cela? Ne savais-tu pas que j'avais encore besoin de toi, dans ma vie? J'ai le cœur meurtri, et je me sens tellement triste, dans mon âme. Je ne savais pas du tout qu'elle allait partir de si tôt comme cela, de ce monde. Oh! Je suis foutue. Comment ferais-je maintenant, sans mes géniteurs? Plus de papa, et plus de maman. Ça va aller, jeune demoiselle. N'oubliez pas que vous avez le Seigneur Dieu à vos côtés. Il est le père des orphelins, le père des veuves, le père de ceux qui n'ont pas d'avenir, et qui sont sans espoir. Que ce Dieu vous pardonne, et vous protège. Et si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez vraiment pas à venir me voir. Allez, à plus, car il faut que je retourne travailler. D'accord, docteur, et merci beaucoup pour votre amabilité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Sincèrement, si je savais, j'allais beaucoup plus être gentil avec ma maman, et en la respectant au quotidien. Je regrette amèrement de m'avoir comporté ainsi avec ma mère. Sincèrement, si c'était à refaire, je n'allais jamais refaire tout ce que je lui avais pu faire de mal. Je regrette mes erreurs. Que le bon Dieu me pardonne, et accueille ma maman auprès de lui. Chers frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Exode 20 verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ne désobéissons jamais à nos parents. Apprenons à les honorer et à les respecter, afin de pouvoir vivre longtemps sur la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Et voilà, mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.
Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.